Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici à Aldi de Pont du Château. On va faire un petit tour ensemble. Je vais vous montrer les arrivages. Il y a un arrivage spécial spécial semaine américaine. Je vais y arriver. Et franchement, il y a pas mal de produits. J'aime trop moi ces genres de produits. J'aime bien découvrir. Je vais partager ça avec vous. Je vais commencer avec une tuerie. Je ne les ai pas goûtées, mais je vais les goûter. Je vais les prendre. On m'en a parlé et apparemment, ils sont trop bons. Des pop-corn, vous avez des classiques au caramel. Apparemment, en magasin, ils sont beaucoup plus chers. Si vous les trouvez déjà, mais genre dans d'autres enseignes, ils sont dans les 3 balles en fait. Et là, on a les pop-corn avec des bretzels au caramel aussi. 1,99€. Et là, il y a 140 grammes. Ça donne trop envie, franchement. Préparation pour pancake. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter là? C'est l'équivalent de 12 portions. Vous n'avez plus qu'à... Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Tac, 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 tac. Donc, pour la pâte, il faut rajouter 340 litres de lait. Tout simplement. Il faut checker et vous verser directement. 99 centimes. Beurre de cacahuète méga format plus... Beurre de cacahuète 100% naturel, crémeux. Il a 2,29€, il y a 600 grammes. Sinon, on a les crunchy, méga format aussi. Donc là, on va retrouver des petits morceaux de cacahuète. Ça va être croustillant. Alors, par ici, on a les délices de coco Kinder. Il y en a 10 pour 3,68€. Les muffins, alors ça a l'air bon aussi. Ceux-là, ils sont fourrés à la fraise. Les 4 à 1,99€. On a également les muffins avec petite pépite de chocolat vendue par 4 à 1,99€. Limonade artisanale saveur citron 75 centilitres à 1,59€. Alors ça, je sais pas du tout, est-ce que c'est de la boisson, c'est quoi ça, canette Dr Pepper? Franchement, je sais pas ce que c'est, genre comme du coca, je sais pas du tout. Après, il y a le Sprite à 87 centimes. 87 centimes, la bouteille de 1 litre 250. Au lieu de 1,09€, il y a 22 centimes de réduction. Arachide en coque, 500 grammes à 2,75€. Les Kellogg's céréales, donc ceux-là sont à 2,59€, l'équivalent de 12 bols. Regardez-moi ces cupcakes. Ils donnent envie. Hein. Nappage saveur lait. Et cela saveur coco. Et ils sont à 1,99€. On a également ici les brownies à partager à 1,69€. Chocolat et noisette. Les épices. Alors, épices Texas chicken poulet. Épices potatoes, pommes de terre. Épices pour viande à 1,99€. Ah là là, les oignons frits, qu'est-ce que c'est bon. Oignons frits à 1,55€, le paquet de 200 grammes. Vous pouvez en mettre dans les hamburgers, dans les sandwichs, dans les salades. Franchement, vous pouvez en mettre partout. Pommes de terre sautées, 1,79€. Alors par ici, on a des cornichons ou piments. Attendez, ouais c'est ça, cornichon en tranches pour les hamburgers ou hot dog. Là c'est pour hot dog, là c'est pour burger. Ah, attention, c'est pas les mêmes. Alors là on a du filet de clémentine, il y a 1,5 kg à 2,29€, origine Espagne, soit le kilo à 1,53€. Le filet de citron, les 500 grammes à 1,29€, Espagne, 2,58€ le kilo. Et là franchement les kakis sont vraiment pas chers, barquette de 1€. En tout cas, moi, dans les enseignes, j'ai vu à 99 centimes l'unité. Là, c'est au kilo. Franchement, 1,99€ le kilo. Il y en a 5. Origine Espagne. Elles ne sont pas encore mûres, mais bon. Voilà. Vous les mettez de côté, puis ça va bien finir par mûrir. Ensuite, on a les bananes. Bananes bio. Elles sont à 1,69€ le kilo. Pour l'origine République Dominicaine. On a ici les raisins à 1,59€ le kilo, origine Italie. Les marrons, le filet de 500 grammes
au prix de 2,29€, soit le kilo à 4,58€. On a aussi ceux-là, regardez, des kakis. Et là, ils sont plus petits, ils sont bien mûrs, franchement, pas mal. 1,99€ aussi. Et là, ils sont plus petits. Sinon, à l'unité, c'est 69 centimes le kaki. On a la grenade à 99 centimes. Allez, je continue ici avec pas mal de chocolat cette semaine. Vous avez donc les ballotins d'orangette au chocolat noir, 200 grammes à 3,59€. Assortiment premium de papillotes à 3,99€. Là, c'est praliné. Le paquet violet comme ça, c'est chocolat noir, lait et blanc. Chocolat au lait pour le bleu. Et le paquet vert, c'est praliné. Oui, je vous l'ai déjà dit. Voilà, il y a 320 grammes. Ensuite, on a des truffes. Qu'est-ce que c'est bon, les truffes? On a les classiques. Ou celle-ci, saveur caramel avec éclat de caramel. 250 grammes à 1,69€. Ballotin de chocolat. Et là, c'est du chocolat belge. Pur beurre de cacao. 375 grammes à 3,59€. Assortiment de confiserie. 2,99€, donc il y a un petit peu de tout, on va retrouver des bonbons, mais aussi des gâteaux Saint-Michel, Petit Loup. Bon, regardez, donuts marbrés, il y a aussi des bonbons, c'est sympa, donc il y a ce modèle. Ouais, je crois qu'on a que ces deux-là. Ah non, il y a la petite chaussette aussi, de Noël. 2,99€. Alors là, on a des pralines croustillantes, celle-ci. 350 grammes. Praline croustillante à la noisette, 3,29€. Ballotin de chardon. Après, il y a de la liqueur. Hein. 3,29€ les 200 grammes. Et là, escargot praliné aux éclats de noisette, chocolat au lait, 2,79€. Donc là, on a un assortiment de chocolat au lait. Ou chocolat praliné. Donc les pralinés sont à 5,59€. Il y a 383 grammes. Et ceux-là, chocolat au lait, sont à 4,99€. Sinon, par ici, on a des chocolats, vous savez, fourrés à la menthe. 2,49€ les 300 grammes. Assortiment de chocolat Tour Eiffel, Mont-Saint-Michel. 6,99€ les 400 grammes. Par ici, on a des boîtes de figurines de Noël. Du petit chocolat. 3,69€ les 250 grammes. Alors, chocolat, en veux-tu, en voilà. On a ici les pâtes de fruits, ananas, fruits de la passion, mangue, mandarine, banane. Les 550 grammes à 3,49€. Ou bien ici, on a de la cerise à la liqueur. 250 grammes à 99. Boîte de chocolat, donc il y a chocolat lait, chocolat noir et chocolat blanc. C'est un mélange. La boîte est à 4,99€ les 425 grammes. Par ici, on a les assortiments de fruits de mer au chocolat, fourrage au praliné, 2,19€. Gâteau des fêtes à la pâte d'amande, 4,19€. Ici, on a des papillotes fantasy, papillotes tatou ou papillotes pétard. Vous faites partie de la team tatou ou pétard? Moi, je dirais pétard. 370 grammes. Donc là, c'est chocolat au lait. Et pour les rouges, c'est chocolat et pâte de fruits. 4,99€. Ça, c'est vraiment joli. Regardez, les ballotins de chocolat. Pas mal, hein. Franchement, très beau. Donc, il y a du doré. Oula, je fais tout tomber. Mon Dieu. Il y a aussi le rouge. 3,99€. Donc là, je vois que les sucettes, il n'en reste plus. Mais il y avait les sucettes vendues par 10 à 1,19€. Voilà, voilà mes petites pommes d'amour. Voici les promotions de cette semaine chez Aldi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors moi, j'ai vraiment aimé découvrir la semaine, saveur américaine. D'ailleurs, je vais aller prendre le deuxième avec les bretzels. Puis j'ai hâte de goûter. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vous en parlerai en story. Bon, allez, je vous souhaite un très bon mardi. Je dirais un dimanche parce que c'est un jour férié. Et voilà. Sachant que franchement, les magasins, la plupart des magasins sont ouverts. Mais n'hésitez pas à regarder sur Google, sur Internet. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.